Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, OM5 TV, sur les réseaux Free Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Depuis ce matin, lundi, les responsables de la DATEX, le personnel et le maire de Sainte-Marie se sont réunis afin de discuter de l'avenir de la société. Le 18 juin dernier, comme chaque année, c'est sur le monument aux morts situé sur la place de la Savane à Fort-de-France qu'a eu lieu le traditionnel dépôt de gerbes marquant la cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin 1940. Mardi 21 juin, l'Association des diabétiques de la Martinique organisait une rencontre de sensibilisation à la cour Fouillapin ou Terre-Saint-Ville. Le 45e festival culturel de la ville de Fort-de-France s'est poursuivi le week-end dernier avec un programme chargé. Plus de détails dans cette édition. Comment vous êtes-vous organisé pour la garde de vos enfants pendant ces vacances, C'est la question que nous vous avons posée dans votre rubrique sondage. C'est une équipe de France très métissée qui a rappelé qu'elle était l'une des meilleures équipes du monde, même si elle n'a pas gagné la Coupe d'Europe des Nations comme elle l'espérait. C'est ce dont il sera question dans votre savoir et réfléchir. Suite à une intervention de la PAF, la police de l'air et des frontières, dans les locaux de Cerver Martinique, société de restauration aérienne, la CGTM envisage de porter plainte pour brutalité. Une accusation fermement contestée par la PAF qui explique que trois grévistes bloquaient l'accès des chambres froides. Lorsque les agents leur ont demandé de libérer le passage face au refus d'obtempérer, ils durent écarter physiquement les récalcitrants sans aucune violence. Depuis ce matin, lundi, les responsables de la DATEX, le personnel et le maire de Sainte-Marie, où est implantée la structure de restauration scolaire, se sont réunis afin de discuter de l'avenir de la société. En effet, la DATEX pourrait ne pas survivre à l'incendie qui a ravagé ses locaux et à la perte récente de marché qu'elle a subie. Daniel Groma, secrétaire général de la CGTM, de son côté, menace de mener des mouvements qui risqueraient de perturber la ville de Sainte-Marie si des solutions ne sont pas trouvées pour les travailleurs. Et puis le personnel de l'Office de l'eau a entamé un mouvement de grève suite à la rupture du dialogue entre les syndicats et la direction. La recrudescence des phénomènes de conflits sociaux ces derniers temps pourrait presque laisser penser que les syndicats cherchent à régler leurs conflits avant l'avènement de la loi El Khomri. Le 18 juin dernier, comme chaque année, c'est sur le monument aux morts situé sur la place de la Savane à Fort-de-France qu'a eu lieu le traditionnel dépôt de gerbes marquant la cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin 1940. Souvenez-vous, c'était donc le 18 juin 1940, depuis un peu moins d'un an, la France s'était engagée dans une seconde guerre mondiale provoquée par Adolf Hitler, soucieux de diffuser ses théories nazies par la force, convaincu que la race pure allemande devait conquérir le monde et supplanter toutes les autres races en éliminant purement et simplement certaines d'entre elles, les juifs, les tziganes, les noirs notamment. Alors que le maréchal Philippe Pétain avait demandé l'armistice pour une France qu'il estimait trop fragile et donc incapable de résister à la puissance de l'armée allemande, dès le 18 juin 1940, le général de Gaulle, lui, prononçait sur les ondes de la BBC un appel à la résistance invitant les Français à refuser la défaite et à combattre. Un appel aux armes dans lequel il appelait à ne pas cesser le combat contre l'Allemagne nazie et dans lequel il prédisait la mondialisation de la guerre. Si ce discours a été très peu entendu sur le moment, il a été publié dès le lendemain dans la presse française et diffusé par de nombreuses radios étrangères. Il est considéré comme le texte fondateur de la résistance française, dont il demeure le symbole. C'est une cérémonie empreinte d'émotion qui a donc entouré cet hommage à l'appel du 18 juin 1940, prononcé par le général de Gaulle, aperçu en image.
Édouard Delépine, historien et homme politique martiniquais, ancien maire du Robert, animait le 22 juin une conférence sur son ouvrage répertoriant l'ensemble des discours politiques d'Aimé Césaire. Un travail qu'il a mené en étroite collaboration avec René Hénan, reconnu par Aimé Césaire lui-même comme étant le plus grand spécialiste de sa poésie. Édouard Delépine a donc détaillé les deux premiers volumes qui sont déjà parus et les deux autres qui devraient être publiés au mois d'octobre. Un riche recueil, donc, recelant plus d'une centaine de discours et pensées politiques du nègre fondamental qui, durant son parcours, a été pendant 18 ans conseiller général, 48 ans député et 56 ans maire de Fort-de-France. Vers 3h du matin, aujourd'hui, lundi, un léger séisme a été signalé à 24 km au sud-est de Marie-Galante. Avec un épicentre situé à 18 km de profondeur et une magnitude de 4,4 sur l'échelle de Richter, la secousse n'a été que faiblement ressentie. À l'approche de la rentrée prochaine, les trois lycées de la Pointe des Nègres s'activent à la préparation des aménagements qui seront nécessaires à l'accueil des élèves du lycée Schœlcher. Bien qu'une certaine préoccupation demeure autour de cette affaire, il semblerait que la pression soit progressivement redescendue. Mardi 21 juin, l'Association des diabétiques de la Martinique organisait une rencontre de sensibilisation à la cour Fouillapin au Terre-Saint-Ville. Cela fait maintenant plus de 30 ans que l'association parcourt les communes afin d'aider, d'informer, de rassurer et donc finalement de lutter contre cette pathologie qui fait des ravages outre-mer. En effet, si 4% de la population hexagonale est touchée, chez nous, plus de 8% de la population est concernée. 4000 Martiniquais sont recensés comme étant diabétiques, mais d'après les associations et les professionnels de la santé, le nombre total de personnes affectées s'élèverait à 7000. Le fait que pendant longtemps les produits alimentaires vendus dans les Outre-mer étaient beaucoup plus sucrés que ceux de l'Hexagone est souvent évoqué pour expliquer cet écart entre la France et nous. Rappelons que le diabète est une maladie grave, qu'on ne sait toujours pas guérir et dont les complications peuvent entraîner des amputations, voire la mort. Cette journée de sensibilisation revêt donc une importance particulière chez nous. L'un de ses objectifs est de s'adresser aux jeunes, notamment, qui ne se sentent pas toujours concernés par le phénomène. Collation avec conseils sur la nutrition et activités sportives, foot, cross et biking, leur ont donc été proposés en collaboration avec Alizé Motoclub. Et il est vrai que de nombreux jeunes ont répondu à l'appel, ils ont participé aux ateliers et visité les stands. Espérons qu'ils retiendront le message de cette journée exprimé par la secrétaire générale de l'association, Jocelyne Kennett. Pas fait la fête et puis diabète là, et puis mon nia ou qu'à manger, et puis mon nia ou qu'à bré, et puis mon nia ou qu'à fait sport. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24h sur 24, 7 jours sur 7.